Bonsoir, il a fait très frais ce vendredi matin, un degré dans la marne. On a battu des records de froid pour un mois de juillet, et cet après-midi, il a beaucoup plu près des Pyrénées, avec des pluies qui ce soir se décalent vers le Languedoc, que nous les retrouverons d'ailleurs sous forme d'averses parfois orageuses demain matin sur le sud-est et sur la Suisse. En revanche, plus on ira vers le nord-ouest et plus le temps sera sec et bien ensoleillé. Dans l'après-midi, d'ailleurs, vous conserverez un franc soleil pour toutes les régions d'un large quart nord-ouest, un ciel variable pour le centre du pays en allant jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à l'Alsace, et plus de l'instabilité qui se déclare. Vers les régions de l'Est, entre la Provence et la Suisse, avec des averses, mais aussi des foyers orageux ponctuellement marqués. Les températures de votre samedi matin, repartent à la hausse, elles restent quand même bien fraîches près de la Manche, 8 degrés, mais déjà 22 pour Nice, et puis l'après-midi, des températures qui s'orientent à la hausse, même si ça reste encore juste pour la saison, comptez entre 19 degrés à Brest et 30 degrés pour la Corse, il fera 24 à Paris et à Bruxelles, 27 pour Strasbourg et 27 également pour Perpignan. On passe à votre seconde partie du week-end avec un temps très ensoleillé pour dimanche, une très belle Journée d'été, seulement quelques nuages vers les Alpes et les températures vont s'envoler en cours d'après-midi, souvent entre 25 et 32 degrés en cours de journée, jusqu'à 33 voire 34 pour les régions du sud-ouest. Et puis ça va continuer pour lundi avec encore une journée très ensoleillée et particulièrement chaude. Seulement quelques nuages qui vont déborder sur la pointe de la Bretagne, et donc je vous le disais, les températures vont atteindre des niveaux particulièrement chauds pour la saison. 31 degrés à Lille, 33 à Paris, 34 à Rodez, 35 pour Clermont-Ferrand ou encore pour Auxerre. Il n'y a vraiment que sur la pointe de automne où vous retrouverez de la fraîcheur avec 21 degrés pour Brest. Mais mardi les températures vont baisser pour retrouver les normales de saison et pour cause des orages vont évoluer entre le sud-ouest et le nord-est. Mais dès mercredi le soleil va de nouveau s'imposer et les températures vont en profiter pour de nouveau repartir à la hausse. Et puis enfin pour jeudi et pour vendredi prochain un temps majoritairement ensoleillé, du moins de belles apparitions de soleil, peut-être quelques orages localisés et les températures s'annoncent vraiment chaudes, notamment jeudi une moyenne de 31 au nord et de 33 dans le sud. Demain samedi nous serons le premier jour du mois d'août. Nous fêtons les Alphonse et nous perdons 3 minutes de soleil. C'est également le début des grandes marées. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau bulletin. A demain.